en serbe. Jebotebe. Fitch quoi. Dans la traduction, quoi. Non, vous mettez pas. Styliste modéliste, mais bon ça je le fais un petit peu quand même. Le Colombo, typiquement antillais. Mon plat préféré. Oh là là, il y en a. Alors c'est, normalement c'est la nourriture asiatique. Ah ouais. Donc ouais c'est sushi, c'est ouais j'aime bien tout ce qui est asiatique ouais. Tu n'as pas encore vu mon dressing, toi. Comment t'expliquer ça? Ben, je pense qu'il y a plein de choses à voir. Alors, la petite robe noire. Le ménage. Le ménage. Pour moi, le ménage. Et les courses. Oh là, les courses. Ce qui me rend heureuse, de rentrer le soir, de m'installer devant un bon verre de vin blanc dans le canapé, les pieds sur la table basse. Faire pipi debout. Merci. Le booty check. On va dire ça. Oui, le booty check, je le fais. Allez. C'est ça, le booty check. Super. Tirer la langue. Déjà mon rituel d'avant match quand je pars dans la maison, dans ma voiture, je mets le son à fond. Ouais. Et puis de la musique qui, tu vois, qui réveille bien. Qui réveille bien, style, je sais pas, raga, tu vois. Ça déjà c'est mon premier rituel. Deuxième rituel, j'arrive dans le vestiaire, je mets d'abord ma chaussette gauche. Ah. Voilà, je mets mes boosters et la chaussette gauche. Et la chaussure gauche. Et ensuite, ouais, la chaussette et la chaussure toujours. Gauche. Toujours. Toujours, toujours, un vrai toujours. Rituel, ça. Ouais, ouais, ça c'est un rituel. Et avant de rentrer sur le terrain, j'enlève mes bijoux au dernier moment, j'embrasse un petit croix. Et avant de rentrer sur le terrain, je me signe discrètement. Mais c'est d'accord. Vraiment discret. C'est... Meilleur souvenir, médaillé d'or de Milan. Saison Arras. Marine Johannes, mais je joue avec déjà. Pour moi, je pense que si elle continue à travailler comme ça, elle continue à travailler comme ça avec le talent qu'elle a, elle va devenir vraiment une très grande joueuse. Ouais. Elle va devenir vraiment phénoménale. Ouais, parce que là, c'est vrai qu'elle a une portée de balle, une vision du jeu. Là. J'ai appris avec Marine, tu vois, j'ai appris avec beaucoup de personnes, hein, avec beaucoup de joueuses, etc. Mais avec Marine, c'est quoi qu'il arrive, tant qu'elle a la balle, ne jamais la lâcher les yeux. Ouais. Et que, tant qu'elle a la balle, même quand elle passe la balle, je la regarde. Parce que des fois, elle te sort mais des passes. Parce qu'elle ne te regarde pas forcément, mais elle te voit. Et... Ouais, c'est ouf. C'est voilà, il faut être attentive avec elle, il faut être très attentive et prépare tes mains. Quoi. Oui. J'en ai fait des bêtises quand j'étais gamin. Voilà, maman, si tu m'entends. Waouh! Une bêtise. Alors, qu'est-ce que j'avais fait? Ah oui, j'avais cassé. Ma mère, elle avait un superbe vase. En général, c'est ça. Voilà, et elle nous avait interdit de jouer au ballon, bien sûr. Au foot. Vu que j'étais un petit peu garçon manqué. Donc, j'ai joué au foot, j'ai cassé le vase et puis je l'ai caché. Mais bon, et là, je me suis pris. Alors, j'ai pas pris la fessée tout de suite. Parce que quand j'étais gamine. J'aimais bien faire courir ma mère. Donc quand elle me disait viens ici, oh, je savais ajouter. Que c'était la fessée, donc je courais autour de la table. Je faisais le tour, donc au bout d'un moment elle se fatiguait. Elle me laissait tranquille, elle me dit quand ton père va rentrer. Et quand mon père est rentré, bah, lui il courait pas quoi. Elle me dit viens ici, tu cours pas, tu viens de suite. Et ma soeur m'avait dit écoute, si tu veux pas que papa il te tape, tu vas dans le poulailler et tu tires la... Alors ma soeur... Voilà, j'avais, enfin, on a 4 ans d'écart, donc à l'époque je devais avoir 7-8 ans, ouais, je pense. Ma soeur elle me dit, ouais, tu vas dans le poulailler, mais ma soeur, tu vas dans le poulailler, tu tires la queue du coq ou de la poule, ou je sais plus, un truc comme ça. Et on avait un poulailler à la maison, je suis rentrée, j'ai fait carnage. Donc, j'ai arraché toutes les plumes. Tu m'as dit le truc, toutes les poules avaient plus de queue. J'ai déplumé tout le monde, j'ai fait le carnage dedans. Ma mère, elle est rentrée. Donc déjà, elle est rentrée. Enfin, quand elle est rentrée, elle a été nourrie à les poules. Elle a dit, oh, ce qui se passe là, les poules, elles sont bizarres. Oh bon, le style. Je vois pas de quoi tu parles.
Et quand ma mère s'est rendue compte que le vase était cassé, donc ma soeur elle a dit ouais, bah, elle a cassé le vase, en plus elle a arraché les plumes du cul. Quoi, donc j'ai pris une fessée pour le vase et une fessée pour les poules. Merci la sœur. Voilà. Merci sister. Pas de bras, pas de chocolat. Très bien. Je suis très sérieux. Alors en ce moment, j'aime bien Scandale. Forcément. Après, j'aime bien tout ce qui est NCIS, Cassol. Je suis très très sérieux. Un rêve. Oh, j'en ai des rêves. Que mon fils réussisse dans la vie. Ce serait l'un de mes plus beaux rêves. Yeah! Impossible. You remember years ago, someone told me I should take a shine when you got to love. Heidi. Voilà, c'était ça. Okay, ça y est, et je chante Impossible. Et les filles, elles en ont marre. Impossible.